Respirer, c'est vivre. Ce qui anime, ce qui nous met en mouvement, c'est le souffle. Quel est notre souffle? Qu'est-ce qui nous fait respirer? Est-ce ton souffle, Seigneur? Ou bien est-ce le souffle du chacun pour soi et Dieu pour tous? Quel est notre souffle? Ton souffle, Père, ou la raison du plus fort? Quel est notre souffle, le souffle de liberté qui porte l'Évangile ou le souffle du confort? Frères et sœurs, nous voici rassemblés en ce jour de Pentecôte pour célébrer le don du Saint-Esprit aux disciples. La parole du prophète Ézéchiel s'accomplit. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je placerai en vous un esprit nouveau. Nous invoquons notre Seigneur. Donne-nous ton esprit comme tu nous l'as promis, qu'il se saisisse de chacun de nous et nous découvrirons alors, Seigneur, dans le monde les signes de ta présence, qu'il bouscule notre façon de vivre et de penser, et avec lui nous ferons toutes choses nouvelles. Que le jour vienne, Seigneur, où la terre entière proclamera « Le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père ». Amen. Nous nous levons pour chanter le premier répond « Viens, Esprit de sainteté ». Debout pour la louange avec le psaume 89. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. D'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je dis, ton amour est établi pour toujours et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles et l'assemblée des croyants ta fidélité. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? C'est l'amour qui rayonne de toi. Heureux le peuple qui saura t'acclamer tout le jour à ton nom, il se réjouira. Et nous chantons « Viens cet esprit, Dieu créateur » le 3506.
et assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous nous unissons dans une prière de repentance. Dieu notre Père, au jour du désert intérieur, lorsque les mots sonnent creux et que tout manque de relief, quand notre cœur nous accuse, enracine en nous un souffle neuf. Au jour de lassitude, nous sommes épuisés par ce que nous vivons et plus encore par ce que nous ne vivons pas. Quand notre cœur nous accuse, enracine en nous un souffle neuf. Au jour de solitude, lorsque le chemin vers les autres semble interminable ou barré, quand notre cœur nous accuse, enracine en nous un souffle neuf. Au jour de maladie, lorsque notre corps se dérobe et que nous demandons pourquoi, quand notre cœur nous accuse, enracine en nous un souffle neuf. Au jour de déchirement, lorsque les eaux troubles de la culpabilité font des vagues en nous, quand notre cœur nous accuse, enracine en nous un souffle neuf. Au jour de désespérance, lorsque, doutant de toi et de nous-mêmes, nous retrouvons nos vieilles manières, quand notre cœur nous accuse, enracine en nous un souffle neuf. Dieu, plus grand que nous, notre cœur, emmène-nous sur les ailes de la tendresse. Il est temps de respirer plus large, au rythme de ton souffle. Amen. Philippe l'a dit avant de prier, nous croyons en un Dieu qui nous aime. Et j'ai cette grâce ce matin de vous rappeler cette bonne nouvelle par ces paroles. Quand notre cœur nous condamne, comme nous venons de le prier, Dieu est plus grand que notre cœur. Quand notre intelligence nous éloigne de Dieu, Dieu est plus grand que notre intelligence. Écoutons à nouveau la parole de l'apôtre Paul. Elle est certainement, dit-il, digne de confiance et mérite d'être pleinement accueillie en ce jour par tous. Christ Jésus est venu dans le monde pour accueillir les pécheurs, dont je suis le premier. À chacun de nous, cette parole exprime explicitement le pardon de Dieu et ouvre devant nous une vie libre et responsable. Nous pouvons ainsi aller dans la paix de Dieu et nous pouvons entendre sa volonté ce matin par la bouche de l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, le verset 12. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Nous nous levons pour chanter, le répond, viens, esprit de la promesse. Et avant d'ouvrir la Bible, nous prions Dieu pour lui demander d'ouvrir notre cœur pour recevoir cette parole. Seigneur, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes. Que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordé de merveilles. Car tu es un Dieu de vie
et tu prends soin de tes enfants. Amen. Évidemment, un jour de Pentecôte, nous ouvrons notre Bible pour commencer au livre des Actes, au chapitre 2, les versets 1 à 12, le récit de la première Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent, elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens, tous ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et des Lames. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Acadie. Tous sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans notre diverse langue des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Et deuxième lecture, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, les versets 13 à 26. « Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute la loi se résume dans ce seul commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous mordant et en vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde. Vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux, ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en parties et en groupes opposés. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie, et des orgies, et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux, renonçons à nous défier ou à nous envier les uns les autres. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Thank you.
Mais vous, vous avez été appelés à la liberté, dit l'apôtre Paul à ses paroissiens de cette église locale, on pourrait le formuler ainsi avec nos mots d'aujourd'hui, de cette église locale de Galatie. Vous avez été appelés à la liberté. En ce temps de déconfinement, où nous retrouvons un peu d'une liberté que nous avions abandonnée au Covid, peut-être que ces paroles viennent résonner de manière particulière dans notre vie. Oui, nous sommes appelés à la liberté. Nous avons la grâce maintenant de pouvoir aller au-delà d'un rayon de 10 km, de pouvoir boire un verre sur des terrasses de restaurants ou de bars. Et c'est extraordinaire et c'est magnifique. Mais bien sûr que être appelé à la liberté dépasse simplement ces libertés d'aller et venir et liberté de. Et c'est quand même une chose importante de prendre un verre avec un ami à une terrasse. Qu'est-ce qu'être libre ? Qu'est-ce qu'être libre ? C'est ce que je vais essayer de partager avec vous en ayant écouté l'Évangile et en ayant écouté ces paroles de l'apôtre Paul que Philippe nous a relues ce matin. Vous le savez, l'apôtre Paul prêche dans un contexte où la pensée, la philosophie grecque est prégnante. Hein. Et d'abord, peut-être commencer par ce que dirait la culture grecque et la pensée grecque, et notamment les stoïciens de la liberté, de ce que c'est que d'être libre. D'abord, pour la culture grecque, un homme libre, par excellence, c'est un homme qui a la maîtrise de sa vie. C'est un homme qui maîtrise sa vie, c'est un homme qui a le droit de voter, c'est un homme qui a le droit d'aller et venir comme bon lui semble. Et cette liberté s'oppose, bien sûr, à la qualité d'esclave. D'un côté, un homme libre, et d'un autre côté, évidemment, l'identité d'esclave qui n'est pas maître de sa vie, qui n'est pas capable d'aller et venir, et donc qui est condamné à être enchaîné et à vivre cette vie d'esclave. Il me semble que l'Évangile ne dirait pas ça. Il me semble que l'Évangile nous dit qu'il est possible d'être emprisonné. L'apôtre Paul l'a été, et de nombreux disciples l'ont été, et de nombreux chrétiens le sont encore aujourd'hui, prisonniers, enchaînés, et qui demeurent pourtant libres, libres de penser, libres de prier. Et pour ceux qui ont écouté, entendu ce culte que j'ai fait il y a quelques semaines, il y avait ce témoignage d'un pasteur chinois qui a été enfermé, je crois, plus de 30 ans dans sa prison, et qui, au fur et à mesure de cet emprisonnement, a découvert une liberté individuelle, personnelle, de plus en plus grande, et sa foi en Christ s'est affermie. Il est possible d'être libre en Jésus-Christ, même si l'on est emprisonné, même si l'on est enchaîné, et même si l'on est esclave. Un mot sur la pensée stoïque. Qu'est-ce que disent les stoïciens de la liberté? Pensée philosophie qui est prégnante aussi à l'époque où l'apôtre Paul prêche. Et libre pour un stoïcien, un homme, une femme qui a une liberté intérieure, une assise intérieure qui lui permet de mettre à distance tous les obstacles, toutes les interférences qui viendraient s'opposer à cette liberté intérieure. Un homme libre pour un stoïcien, une femme libre est quelqu'un qui a de la stature et qui sait mettre, pour le dire autrement, à distance ses passions. Aucune passion, aucun événement de la vie, la maladie, la mort ne vient remettre en question cette stature interne. Cette stature interne qui lui permet, vous l'entendez bien, de maîtriser sa vie. Un stoïque, c'est quelqu'un qui arrive à maîtriser sa vie, à maîtriser ses émotions et à faire face aux obstacles les plus forts. L'Évangile, il me semble, ne nous dit pas cela. L'Évangile ne nous dit pas que la liberté, c'est mettre à distance ses émotions. Au cœur de l'Évangile, il y a bien la personne de Jésus-Christ, au contraire, qui a su accueillir les émotions humaines. Nous voyons Jésus pleurer, nous voyons Jésus être triste, nous voyons Jésus être joyeux. Donc il me semble bien que là, que l'Évangile, que la définition que pourrait nous donner de la liberté que nous donne l'Évangile, n'est pas tout à fait en phase avec ce que nous disent les stoïciens. Alors, que nous dit l'Évangile, il me semble, de la liberté, de ce que c'est qu'être libre? Eh bien, elle nous dit qu'être libre, c'est accepter qu'on ne peut pas se libérer soi-même. Qu'être libre, c'est accepter que cette liberté nous vient d'un autre, de Dieu,
du Dieu de Jésus-Christ, qui lui, par le souffle de son esprit, par sa grâce, par son pardon, comme nous l'avons entendu, vient nous libérer parce qu'il est impossible pour nous-mêmes de nous libérer parce que, et l'apôtre Paul le redit fermement dans l'épître aux Galates et dans ses autres épîtres, parce que nous ne pouvons faire autrement qu'accueillir en nous à la fois le vieil homme et le nouvel homme. Nous pouvons faire autrement que, comme l'a dit d'une autre manière Martin Luther, que d'accueillir cette parole, que nous sommes à la fois pécheurs et justes en même temps. Et que ce péché qu'il y a en nous, seule une force extérieure à nous, peut l'ôter. Donc, nous dit l'Évangile, être libre, c'est comprendre, accueillir cette parole qu'il me faut être libéré par quelqu'un d'autre, il me faut accueillir d'être saisi par le Christ afin qu'il me libère. Il me semble que c'est bien ce qui se joue le jour de Pentecôte. Les disciples sont saisis par une force qui leur est extérieure, par ce Saint-Esprit annoncé par les prophètes, annoncé par Ézéchiel, annoncé par Jésus-Christ. Il est avantageux que je m'en aille parce que vous recevrez l'Esprit Saint. Ils sont saisis par une force supérieure à eux-mêmes qui va les mettre en route, qui va les lancer dans une nouvelle dynamique et qui va, oui, leur permettre d'être conduits sur un chemin de nouveauté, sur un chemin de vie. Et ce qui est remarquable, il me semble, c'est que cette puissance extérieure est à la fois une puissance qui vient de manière personnelle sur chacun des disciples. L'Esprit donne liberté à chacun et à chacune de manière personnelle. Hein. Il nous est dit que des flammes de feu descendent sur chacun des disciples. Et en même temps, il y a là une dimension communautaire, puisque l'Esprit descend sur les disciples qui sont rassemblés ensemble, qui font communauté ensemble, qui font église ensemble ce jour-là. Et donc j'entends là que la liberté à laquelle nous sommes appelés est à la fois, bien sûr, une liberté personnelle, individuelle, l'Évangile ne nous dit pas autre chose, mais aussi une liberté qui se joue dans la rencontre avec les autres, dans la communion avec les autres. Et cette liberté donc dont sont saisis les disciples va leur faire faire deux choses essentielles. D'abord, leur permettre de rejoindre des églises locales, de construire des églises locales, pas de relation à Dieu sans une relation avec les autres. Nous sommes appelés, même si nous sommes saisis par l'Esprit de manière personnelle, à tisser des liens avec des autres, à être église les uns avec les autres. Et puis bien sûr, deuxième aventure, deuxième chemin sur lequel sont conduits les disciples, c'est le chemin du témoignage et de l'évangélisation. Nous voyons les disciples commencer à témoigner de l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde. Donc, nous voyons bien que la définition de la liberté que nous pouvons entendre au travers à la fois de l'Évangile et de ces paroles de l'apôtre Paul, c'est qu'être libre, c'est d'être saisi par le Christ, c'est d'être mis en route, mis en chemin, non pas seulement de manière personnelle, mais de manière collective, de manière communautaire, et c'est d'être sur ce chemin, nous dit l'apôtre Paul, à la fois en marchant par l'Esprit et à la fois en étant conduit par l'Esprit. Et ça, c'est très intéressant parce que l'apôtre Paul n'utilise pas le même verbe quand on regarde le texte en grec. Dans le premier temps, quand il nous dit que nous sommes appelés à marcher en esprit, à marcher par l'esprit, il utilise le verbe péripapéo, qui a donné le mot péripapéticienne, hein, ces femmes qui arpentent le trottoir à la recherche de clients. Mais c'est très intéressant dans la définition. C'est que marcher en esprit, c'est user de notre liberté, c'est explorer le terrain sur lequel nous vivons, c'est voilà, explorer, marcher, marcher en esprit. Alors que le deuxième verbe est beaucoup plus directif, hein, c'est le verbe sodkon, et là il s'agit vraiment d'être obéissant à l'Esprit, d'être conduit par l'Esprit. Là, il n'y a plus de marge de liberté. Il s'agit vraiment d'être à l'écoute de l'Esprit et de se laisser diriger par lui. Donc, je trouve ça
très très intéressant que l'apôtre Paul nous conduise dans deux directions très différentes, hein, une direction où il y a de la liberté, voilà, un espace à explorer, voilà, explorer, marcher en esprit, la vie vous est donnée, le monde vous est donné, allez-y. Et puis, quelquefois, ben non, on n'a pas le choix, comme Philippe, dans les Actes des Apôtres, qui reçoit cette parole de l'Esprit, va sur ce chemin-là, Philippe y va, et puis sur ce chemin-là, il va avoir la grâce d'annoncer l'Évangile et de baptiser, vous savez, cet eunuque et éthiopien. Donc, être libre, nous dit l'apôtre Paul, c'est arpenter notre vie ou être conduit en esprit, être conduit par l'esprit, sur un chemin de créativité, sur un chemin où je vais à la rencontre des autres, et ou même la rencontre des autres, et ça c'est magnifique, où la rencontre des autres est pour moi source de liberté, où la rencontre des autres, et pour moi même source de liberté. Et j'ai découvert en préparant ce culte vraiment un espace de rencontre personnelle où ça c'était tout à fait et profondément vécu. Quand on reprend la liste de l'apôtre Paul, hein, un peu une liste à la Prévert, où il dit voilà ce que de quel poids vous êtes fait, hein, la débauche, l'idolâtrie, la magie, etc. On pourrait rajouter aujourd'hui la corruption, la volonté de toute puissance. Voilà de quel poids vous êtes fait. Il y a aussi la dimension de l'excès de table et de l'excès d'alcool. Et interpellé par cela, j'ai regardé. Ce que faisaient la Croix Bleue et les Alcooliques Anonymes. Donc, Alcooliques Anonymes, association internationale qui a pour but d'aider à la libération des gens, des hommes et des femmes, qui sont soumis à l'alcool, hein, sous la dépendance de l'alcool. Et j'ai retrouvé, donc, il y a 12 étapes par lesquelles les Alcooliques Anonymes doivent passer pour pouvoir espérer être libérés. Et c'est tout à fait étonnant parce qu'on retrouve dans ces 12 étapes ces deux intuitions que j'ai partagées avec vous. Nous ne pouvons pas nous libérer de nous-mêmes, nous avons besoin d'être libérés par une force qui nous est supérieure. Et d'autre part que cette libération ne peut faire l'économie de mon lien à l'autre, du lien avec mon prochain. Je ne vous lis pas les 12 étapes, mais quand même je vous en lis 3 ou 4. Première étape, nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Deuxième étape, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous, à nous-mêmes, pouvait nous rendre la raison. Troisième étape, nous avons décidé de confier notre volonté et nos vies aux soins de Dieu tels que nous le concevions. Quatrième étape, nous avons procédé sans craindre à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes, on pourrait le traduire prière de repentance. Cinquième étape, nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de notre tort, donc dimension de la relation personnelle avec les autres, de la confiance que l'on peut placer avec les autres qui vont nous aider à être libérés. Je saute une étape. Septième étape, nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos déficiences. Huitième étape, la dimension de pardon, nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions blessées et nous avons consenti à leur faire amende honorable. Je trouve ça tout à fait remarquable que cette association qui, depuis des dizaines d'années, même plus d'un siècle, a réussi à permettre que des gens soumis à cette addiction de l'alcool puissent en être libérés par ce que nous dit l'Évangile. Nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes et nous avons besoin des autres pour être définitivement libres. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'être libre ? On pourrait le résumer en ces mots, c'est être libre, c'est se laisser libérer par un autre, par le Seigneur Jésus-Christ. C'est arpenter le monde en étant conduit par l'Esprit, en évitant ces deux extrêmes que je vais poser. Une liberté individuelle sans limite, où tout serait permis, qui ferait de notre prochain ou de nous-mêmes un objet pour assouvir nos désirs, quitte à se dévorer soi-même, alcoolisme qui nous dévore nous-mêmes,
quitte à dévorer les autres, on le sait, les enfants, la femme d'un alcoolique ou le mari d'un alcoolique est entraîné dans sa descente aux enfers. Et l'autre écueil, une obéissance aveugle à une autorité morale, religieuse, politique qui me ferait nier ma liberté personnelle, ma liberté de conscience. Dieu m'a libéré personnellement. Et ce n'est pas pour que je devienne esclave, encore une fois, d'une autorité morale, religieuse et politique. Alors, entre ces deux extrêmes, en tant que fils ou fille de Dieu, je suis appelé par l'Esprit, nous dit l'apôtre Paul, à porter le fruit de l'amour dont je suis le premier bénéficiaire et dont mon prochain est aussi le bénéficiaire. Et le fruit de l'amour, et c'est intéressant parce que la formule est au singulier, fruit de l'amour, nous dit l'apôtre Paul, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser ensemble notre foi avec un texte d'une église américaine. Nous croyons en Dieu, Esprit éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, et nous témoignons de ce qu'il fait pour nous. Par sa parole, il établit le monde, il crée l'homme à son image et le laisse libre de marcher vers la vie ou vers la mort. Dans son amour, il veut sauver tous les hommes du désespoir et du péché. Il juge hommes et nations par sa juste volonté, annoncée par les prophètes et les apôtres. En Jésus-Christ, l'homme de Nazareth, notre Seigneur crucifié et ressuscité, il est venu à nous. Il a partagé notre vie, vaincu le péché et la mort, et réconcilié le monde avec lui-même. Il répand sur nous son Saint-Esprit, il crée et renouvelle l'Église de Jésus-Christ, il rassemble dans son alliance les croyants de tous les âges, de toutes les langues et de toutes les races. Amen. Et nous chantons, nous restons debout pour chanter, un chant composé par Hervé Gantz d'ailleurs, qui est être édifié et témoigné. Être édifié et témoigné, être édifié et s'engager pour bâtir, accueillir, rayonner et rêver. Être édifié et témoigné, être édifié et s'engager pour porter et servir.
Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce jour de Pentecôte, ce jour où nous célébrons ce don de l'Esprit qui s'est saisi des disciples rassemblés à Jérusalem et qui les a libérés pour ton appel, pour ce ministère de témoigner la bonne nouvelle de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, merci de nous dire que tout ne repose pas simplement sur nos propres forces, sur notre propre capacité à être autonome, à être sage, à être intelligent, que notre libération ne dépend pas de nous-mêmes, mais qu'elle est un don gratuit que tu nous offres, une libération gratuite que nous avons à accueillir. Seigneur, donne-nous d'accueillir simplement et avec reconnaissance cette libération. Permets-nous de nous laisser saisir par ton esprit afin qu'il nous rende libres d'aller simplement et humblement vers notre prochain pour tisser une relation fraternelle avec lui et pour qu'ensemble nous apprenions à être de plus en plus libres. Oui, Seigneur, ce matin, nous apprenons de toi, nous entendons de toi que notre liberté ne va pas sans celle de l'autre et que la liberté de notre prochain est source de liberté aussi pour nous-mêmes. Seigneur, tu connais chacun de nos enchaînements, tu connais ce qui nous empêche d'être totalement libres. Nous voulons te le confier ce matin dans le secret de notre cœur et te demander que souffle ton esprit. Oui, Seigneur, donne-nous cette grâce d'appanter le monde en esprit, en liberté, avec cette liberté que tu nous donnes. Tout est permis, nous rappelle l'apôtre Paul. Mais donne-nous aussi de savoir accueillir que si tout est permis, tout n'est pas utile, que tout n'édifie pas et qu'il y a des chemins de vie qui, au lieu de libérer, des chemins de vie qui asservissent. Seigneur, ce matin, nous te prions pour ceux que nous connaissons dans nos familles, dans nos relations, sont enchaînés, ont besoin d'être libérés. Nous te prions que ton esprit se saisisse d'eux et que toute chose nouvelle soit possible. Seigneur, nous te remercions pour tous ceux qui œuvrent pour la libération des autres. Nous te remercions pour ces associations aussi, quelles qu'elles soient, qui aident à cette libération. J'ai cité ce matin dans ma prédication les alcooliques anonymes. Nous pouvons aussi, Seigneur, te présenter la Croix Bleue. Et Seigneur, bénis ces associations et bénis les bénévoles qui s'y investissent. Et merci parce que ce travail-là, cette diaconie-là est pour nous source d'espérance. Il est possible, nous en avons le témoignage, d'être libérés aujourd'hui dans ce monde. Seigneur, nous vivons en France ce temps de déconfinement qui est source pour nous de joie et de liberté retrouvée, de petites libertés, mais qui sont essentielles. Nous voulons te remettre tous ceux qui traversent ce temps encore sous l'emprise de la maladie, sous l'emprise de l'angoisse. On sait que l'angoisse a grandi en ce temps de Covid. Et je veux te prier, peut-être de manière toute particulière, pour les jeunes générations qui doivent affronter beaucoup de défis, le défi écologique, ce défi du Covid, sans doute aussi le défi économique. Oui, Seigneur, mets dans ces jeunes, dans tous ces jeunes, une vision d'espérance. L'avenir est à construire. L'avenir est la vie. Et Seigneur, parce que notre vieil homme nous empêche de te prier comme nous devrions le faire, nous voulons
simplement rassembler nos prières dans celles que Jésus-Christ a enseignées aux premiers disciples en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. » Puisqu'il était question, et c'est bien légitime, d'esprit en ce jour de Pentecôte, nous levons pour chanter « Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs. » Par ton esprit, Seigneur, ouvre nos yeux, que notre regard se tourne vers nos frères et nos sœurs, regard qui accueille sans juger. Par ton esprit, Seigneur, ouvre nos mains, que nous sachions donner sans calcul mesquin. Par ton esprit, Seigneur, ouvre nos cœurs, que nous trouvions le geste ou la parole qui transfigure la vie de chaque jour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, présents ou absents, visibles ou invisibles, dès maintenant et à jamais. Amen. Nous chantons « Que la moisson du monde est grande ».